Une fois devant mon bureau, j'allume mon ordinateur. Je patiente. Je m'impatiente. Lire 200 nouveaux messages. Les trier par ordre d'importance. Répondre aux plus urgents. Le ministère. Je réponds. Il dit « Je veux des précisions par rapport à la programmation de recherche de la pratique de pointe et la ligne aide à Buen. » Je dis « Certainement. » Il dit « C'est un peu pressant. » Je dis « Aucun problème. » Pourtant, je sais que lorsque le ministère dit « un peu pressant », ça veut dire « immédiatement », sur le champ, illico ou pour hier. Ça veut aussi dire « téléphone », »,« courriel » et « téléconférence ». Je me dis « c'est pour une bonne cause ». La cause, c'est la ligne aide à Buenné. C'est la pratique de pointe pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées, qui existe depuis plus de 25 ans. À l'origine, la ligne aide à Buenné était une ligne bénévole qui s'est transformée en ligne d'intervention professionnelle. Son but, venir en aide aux personnes aînées qui vivent de la maltraitance. La ligne reçoit chaque année des milliers d'appels de la population, de professionnels et d'intervenants. En fait, toute personne peut contacter les professionnels de la ligne. Le service est gratuit, confidentiel, bilingue et ouvert 7 jours par semaine. La maltraitance est un geste singulier ou répétitif, ou une absence d'action appropriée, qui se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance, causant du tort ou de la détresse chez une personne aînée. Un proche aidant qui ne sait pas comment s'y prendre pour apporter son soutien peut causer du tort sans être mal intentionné. Voilà pourquoi la sensibilisation et la création d'outils adéquats sont essentiels afin d'éviter les conséquences de la maltraitance, soit la honte, l'humiliation, la tristesse, la colère, la peur, la détresse, la dépression ou même la mort. La principale difficulté de l'intervention en maltraitance est qu'il s'agit d'une problématique cachée et complexe. Dans la lutte contre la maltraitance en matière de dépistage et d'intervention, il faut donc impliquer plusieurs acteurs, permettre à ces acteurs de travailler en partenariat et avoir une compréhension commune de la problématique et de la réponse à y apporter. Réunion avec ma collègue Marique Bertrand, superviseure clinique de la ligne Aide à but aîné. Réunion avec l'équipe spécialisée en intervention dans les cas de maltraitance. Réunion avec l'équipe de recherche pour le développement des connaissances et des pratiques en maltraitance. Colloque, présentation. Puis, une fois par mois, c'est la rencontre avec l'équipe provinciale de consultation multisectorielle composée de représentants des milieux légal, médical, psychosocial et communautaire. À cette rencontre, basée sur les principes d'interdisciplinarité, d'intersectorialité et de transfert des connaissances, les consultants travaillent ensemble pour identifier des pistes d'intervention, pour répondre aux cas les plus complexes et soutenir les intervenants dans leur réseau. À ces 1200 réunions s'ajoutent plusieurs projets de recherche en cours, l'encadrement clinique de la ligne Aide à Buenné et la formation de formateurs et même de super formateurs qui pourront à leur tour former de nouveaux formateurs. Puis, il existe des programmes en partenariat, comme Aînés avisés, programme d'information et de sensibilisation sur la maltraitance et la fraude destinés aux personnes aînées. Pour maintenir et promouvoir les partenariats, nos programmes et nos ressources, il faut chaque jour travailler pour préparer, anticiper, élaborer, stimuler, organiser, former, créer, décider, solutionner, encourager et conseiller. Depuis plus de 25 ans, nos efforts ont été centrés sur le développement d'une expertise dans le milieu communautaire et le maintien à domicile. Aujourd'hui, nous faisons face au grand défi de développer notre expertise dans le milieu institutionnel et de continuer à répondre aux besoins émergents. Je suis Sarita Israël, coordonnatrice de la pratique de pointe pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées du CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Thank you.